Je sais que ça fait appel au débat, mais c'est une liberté provisoire et non une délivrance. Pour connaître la vraie délivrance, il faut connaître le Christ. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible, elle est claire là-dessus. Celui qui a la vérité, il est affranchi. Et pour être affranchi, il faut avoir la vérité. Donc la vérité, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la transformation profonde, qui est une condition sine qua non pour être éligible à la délivrance. Parce que c'est Christ qui délivre. Je ne connais aucun pasteur, je ne connais aucun apôtre, aucun prophète qui a délivré. Je ne le connais pas. Depuis que le monde existe, depuis que le ciel existe, je n'en connais pas un. Je sais que la délivrance s'opère au nom de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là pour qu'il délivre. Il doit d'abord voir que la personne lui appartient. Voilà. Donc, j'ai dit...